Yo tout le monde, c'est VMSGS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo spéciale que tout le monde attend. Je vous filme dans cet angle pour vous montrer derrière ce qui est pas ouf. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement, vidéo spéciale que vous attendez tous. Clairement, je vais pas parler plus. On va y aller tout de suite. A tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait deux petits plans pour vous montrer en gros. Maintenant, je vais vous montrer en détail. C'est parti. Bon, la chambre est en bordel, mais on va faire avec. Donc voilà, petit fauteuil Empire Gaming, tout simplement, que vous pouvez voir marqué juste ici. Donc voilà, ça fait le taf. Ça, c'est confort de fou. Il est confortable, il est co plus confortable que celui-là, là-bas, le Zenness, celui de mon frère. Donc voilà, lui, vous dites, ouais, il est largement mieux, tout ça, mais il est plus dur et tout, il est pas confortable, les accoudoirs, ils sont durs vu qu'ils sont en plastoc. Donc bref, c'est. Franchement, il est mieux le mien, même lui, il le dit. Le petit casque, Turtle Beach, donc avec la mousse sur le micro, ça, faites pas attention, c'est les trucs pour les petits. Que d'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que ma mère est nounou, donc voilà. C'était hors sujet, bref, Turtle Beach, voilà, casque, tu vois, basique, hein. Genre voilà dedans et tout ça. Donc ça fait un petit moment déjà que je l'ai celui-là. Il fait le taf, il tient toujours. Voilà, il y a le petit son. Le petit son pour régler ici. Tout simplement. Mute, démute. Voilà exactement. Tu vois, avec la petite roulette sur le côté pour le son. Donc voilà. Là, ça c'est mes. Il y a mes lunettes pour jouer. La petite clé USB pour déplacer les clips et tout. Bon, ça c'est mes bagues. Hein. Là, c'est mon petit bordel à moi. Donc voilà, deuxième vapote, le goût. Il y a le masque derrière pour le corona, portefeuille, et ça, c'est lunettes de soleil. Voilà. Ça, petit écran Dell. Je vous expliquerai juste après la vidéo. Ça, c'est longue histoire. Voilà, tout simplement. Là derrière, petite lampe que j'ai eu à un anniv, ça date. Franchement, elle est clean. Petit bracelet blunt. Bon, ça, c'était de la trotte, tu vois. Mais il passe bien. Voilà, la petite déco que je compte changer, donc tout simplement simple, voilà, canette Red Bull quand t'es fan de Vitality, bon, voilà, pour ceux qui sont comme moi, voilà, bon, du coup c'est full Red Bull, je me suis fait un truc simple, hein, mais ça va changer, là, petit écran LG, franchement, là, on dirait qu'il est grand, hein, mais en vrai, il est plus petit. Mais franchement, il fait le taf. Vous voyez, il y a quand même pas une qualité de ouf, mais c'est quand même bien joué. La petite télécommande. Le clavier, c'est un. Je crois que c'était Empire Gaming aussi. Donc, le clavier, c'est un pote qui me l'a vendu. 20 balles avec la souris. Après, tout simplement, la souris là, c'est une. Je sais plus quoi, je sais même plus ce que c'est. En vrai, fait le taf. Donc là tu peux changer tout ce qui est. Enfin ça pardon, ça c'est les boutons pour jouer. Lui aussi là en bas là tu peux t'en servir. Là tu peux tout simplement changer la couleur en fonction des DPI. Tout ça. Donc moi franchement je mets en violet. Ça fait le taf. Donc franchement elle est clean. Elle fait le taf. J'ai déjà essayé de jouer avec, elle est à l'aise. Mais c'est le clavier qui est bof. Mais bon, je suis pas un monstre CS, donc clairement, me dites pas, ouais, vas-y, fais ça, clavier souris, c'est mort, je vous le dis direct, c'est mort. Voilà, donc après, petit Fortnite cauchemar, donc bah, c'était le truc d'Halloween. Donc vous voyez le skull, la ghoul. Après, c'est que des skins en sauver le monde. Voilà. Bon, moi je les connais, pour ceux qui ont sauvé le monde, vous devez connaître. J'ai le truc à droite qui merde un peu. Bref, voilà. Donc là, cette partie, on a tout vu. Voilà.
Donc la petite caméra, c'est la PlayStation V1. Elle est vieille. Vous l'avez vu à la qualité. La qualité est pas ouf non plus. Donc je vais voir pour la changer, mais je vais la garder au cas où. Petite enceinte Logitech. Voilà. Ça, c'est ma vapote, ça dégage. PS4 Slim noir. Donc voilà, simple. Ma manette. Voilà. Donc c'est une manette basique PS4. Donc voilà, truc avec le casque en dessous. J'ai rajouté les joysticks bleus. Que d'ailleurs, regardez comme ils sont dégueulasses. Faut que je les nettoie. Je suis H24 en train de les nettoyer, je vous le dis cash. Avec le temps que je passe de à jouer, c'est un peu normal. Avec autocollant Red Bull derrière. Voilà, quand je vous dis je suis fan, voilà. Donc, petit autocollant Red Bull derrière, ça fait plaisir. Voilà, donc sinon, elle est pas custom, genre palette ou quoi, que dalle. Ou ni les. Comment ça s'appelle, les trucs que tu mets là pour la gâchette et tout. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire pour les joueurs de haut niveau. C'était une blague, je rigole. Donc voilà, enceinte Logitech, ma Play. Désolé ma belle, désolé. Petit câble tout simplement USB pour charger la manette au cas où, bien sûr. En général, je charge plus la vapote. Chargeur manette. À box donc double place. Voilà, t'arrives, tu poses ta manette. Voilà, tu peux mettre pareil là derrière. Elle charge toute seule. Voilà, donc allumée et la play éteinte. Dans tous les cas, elle charge quand même. Donc ça, si vous avez un setup ou quoi, vous l'avez pas, achetez-le. Si vous avez une play, ça fait le taf, franchement. Écran, je sais plus quoi, LG, c'est un LG, pardon. Avec le petit autocollant Monster, ça c'est mon frère. Donc l'écran, il est mort. Je vous le dis cash, il faisait le taf, hein, il était bien. Il est mort à cause de ce putain de clim, il est mort clairement. Grosse enceinte Logitech, très bon son, elle fait le taf, elle est bien pour se poser avec mon frère pour les musiques, tout ça. Donc. Pousse ça s'il te plaît. Ça, là-dedans, c'est tout ce que j'ai classeur avec les trucs de la team, tout ça, où je note mes trucs et tout ça. Là, il y a des films et tout. Casque virtuel et tout, juste là derrière, ils sont là. Donc là, je vais vous montrer, tant qu'on y est, le setup global. Donc avec mon frère, ça c'est la télécommande de la clim, qui marche plus d'ailleurs. Faut faire manuellement. Donc lui, il a sa batterie externe. Le petit verre, petit vapoteur. Donc, c'est le truc de vapote. Ça, vous connaissez bien sûr. Hein. Le petit Deadpool, pardon, pour poser la manette. Pousse-toi le verre. Comme ça, même le téléphone, ça passe et tout. Clairement, ça fait le taf, ça c'est bien. Si tu veux regarder tranquille, chill, Netflix et tout, tu peux s'écaler. Vous pouvez le voir là. De toute façon, il pose là et après, de son lit, il regarde et tout, c'est calé. Petite enceinte Logitech qui va avec du coup les deux autres, parce que du coup les trois vont ensemble. Première PlayStation, c'est la toute première qui est sortie. Il a custom un peu, là il a enlevé les trucs, donc c'est pour ça que là elle est toute seule, elle est pourrave. Donc voilà, la manette c'est une Nakon, si je me trompe pas, donc il y a ça pour jouer. Sinon la manette se connecte pas, ça câble pour les vapotes, tous ces trucs de vapote, voilà, pour vous montrer vite fait. Casque Razer qu'il a eu il y a plus longtemps, il avait le même Turtle Beach que moi. Donc la télécommande, la télé, voilà. Vous voyez, moi qui joue sur cet écran, lui qui joue sur ça, voilà. Bon, il joue pas à Fortnite, donc ça va. Petit tapis de souris pour protéger le bureau au cas où. Donc c'est un truc petit vapoteur aussi. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est les drippers avec la fumée qui sort et tout du mec. Franchement, il est classe. J'ai le même. J'ai le même qui est juste là-bas. Donc ça, je vous montre pas, clairement, parce que c'est pas terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le petit bureau, il est clean. C'est un petit bureau simple, voilà. Le petit fauteuil, bon, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà. Donc du coup, le petit PC, il est mort aussi. Trop vieux, il est mort. Là, c'est le bordel dessous parce qu'on a viré l'imprimante. Voilà. Donc... Voilà, Zenness, tapis de souris. Franchement, il est calé. Genre, tu vois, il est tout doux, il est clean. Voilà. Donc, ah, voilà, c'est Spirit of Gamer. Voilà, c'est ça.
Donc c'est la petite souris qui va tout simplement avec mon clavier. Clavier Razer, donc il s'allumait tout ça, mais vu que le PC marche plus, je peux pas vous montrer. Donc si vous connaissez un clavier Razer, ça vous devrez savoir, enfin, vous devriez connaître. Donc voilà, globalement, voilà, je suis comme ça. Voilà, petite caméra, play avec l'enceinte. Donc la musique, on la met au milieu, il la met avec la play. Donc au final, quand on joue, ben, on est tranquillou. Voilà, moi à gauche avec tout ça. Voilà, ça donne ça. Je vous ai pas montré le PC en 2-2. Voilà, le PC. C'est un Acer. Il est basique, vous pouvez le retrouver pour pas cher. Vraiment, il fait. Moi, je l'ai acheté 400. C'est juste pour voilà, regarder Twitch, YouTube, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc, je vous parle 2 secondes après. Et voilà. Bon, tout le monde, je suis sur mon setup. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit truc et tout. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Enfin, elle est sortie. Vous avez vu en détail mon setup. Moi, ce que j'en pense, mon setup est calé pour ce que je fais, mais il est pas ouf non plus. Il n'y a pas des trucs de qualité, de genre de grande marque ou tu vois des trucs de fou. Donc pour l'instant, je fais avec, on verra la suite. Ça, je vous préviens, c'est que la première partie. Parce que comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas vu la déco. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer. Donc au final, vous n'avez pas vu la déco. La vidéo, la déco arrive. Donc ça sera la deuxième partie. Et du coup, voilà, j'espère quand même la vidéo setup vous aura plu. Et voilà, tout simplement, le coût de l'écran PC, bon, un écran Dell, je l'ai pas acheté, je l'ai pas récupéré de mes frères ou quoi, je l'ai juste trouvé dehors. Avec Etienne, donc XLost, qui est dans la VM, on l'a trouvé dehors. Et au final, tout simplement, bah, on l'a testé, il marchait bien. Donc au final, franchement, il fait le taf pour l'instant. Il m'aide justement pour le PC parce qu'au final, j'avais pas d'écran et genre je pouvais pas acheter d'écran en même temps vu que bah, je venais d'acheter le nouvel écran pour la Play. Donc au final, voilà, ça fait le taf pour l'instant. C'est ça qui fait que le truc, tu vois, mon setup est pas ouf. L'écran de PC, je l'ai trouvé dehors. Donc au final ça va, il marche bien, il fait le taf et tout ça. Donc voilà mon setup, j'espère que ça vous plaît quand même. Donc mais dites-vous qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. La déco, plus la grosse déco qui arrive, la petite déco là aussi. La caméra qui doit changer aussi. Mon écran de PC qui doit changer aussi. Plus tard, mais quand je dis plus tard, c'est plus loin. Mon PC, je compte le changer aussi. Et le reste, ça restera comme ça. Pour l'instant, le tapis de souris, j'ai le Fortnite. J'ai le petit vapoteur, donc c'est là où j'achète mes goûts de vapote et tout. Tout simplement, je le mettrai quand le Fortnite il sera vraiment usé, tout ça, genre dégueulasse. Donc voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo de mon setup. Je vous ai montré le setup global, donc avec celui de mon frère aussi. Donc j'espère que la globalité de cette vidéo vous aura plu. J'avais beaucoup de choses à dire dans cette vidéo aussi, donc désolé s'il y a des bégays, s'il y a beaucoup de choses à dire, si je parle beaucoup ou quoi, parce que voilà, au final, il y a eu beaucoup de choses. Donc au final, voilà, je vous ai tout montré, mais tout, tout, tout. Là, clairement, je vous ai tout, tout montré. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça a été cool pour la tournée pour vous, parce qu'au final, il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendent. Et du coup, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la deuxième partie sortira bientôt.